Je me sens timide ce matin, les gens viennent en état. Nous allons donner une autre allure, une autre vitesse, un autre tempo à nos cultes. Amen. Mathilde, nous sommes voyants parole, nous sommes émerveillés. Parce que le Seigneur nous a demandé par une audience qu'on est là et de faire beaucoup de services, de prier pour les gens, pour les malades. Alors si nous gardons seulement l'habitude de prendre la parole à 11h et de prier, on ne pourra pas faire ces services. Amen. Donc apprends à venir à temps. Je vais éduquer les gens ainsi. Donc 9h30, 10h, des fois, je prends la parole et je prêche. Le rétardateur vient de nous trouver dans autre chose. Et spécialement ce matin, je vais aller bénir deux mariages angéliques. Je prends la parole à 11h10. Donc je vais te communiquer la parole du Seigneur et nous allons prier. Recommande la parole de ce matin. Bien-aimé, tu n'es pas venu par hasard à temps. Ne pense pas que c'est parce que tu n'avais pas sommeil. Ne pense pas que c'est parce que tu avais bien dormi. Ne pense pas que si tu es là, c'est parce que tu l'as voulu. Au-dessus de ta volonté, il y a la volonté souveraine de Dieu. Au-dessus de ce que tu avais pensé faire la nuit, Dieu a aussi son plan pour toi. Alors si tu es là ce matin, dis à Dieu comme Samuel ce jour-là. Mais voici Seigneur, parle-moi. Prions le Seigneur. Nous sommes là devant ton trône et Shaddai. Merci Seigneur pour ce matin merveilleux. Ce premier dimanche de ces deux ans. Et ces deuxième année, Seigneur, je sais que tu veux faire des choses nouvelles. Je sais que tu vas faire des choses merveilleuses. Je t'en supplie, Seigneur, de ne pas nous laisser rentrer tel que nous étions venus. Il y a une femme ce matin qui a besoin de la situation. Il y a un homme ce matin qui est venu pour moi. Oh Dieu, mon Père, je sais que nul ne vient à toi et rentrer tel qu'il était venu. Cet lieu porte ton nom. Seigneur, c'est ta demeure. Je n'ai pas de toi, Seigneur. Personne ne s'accorde ni d'identité. Cette adresse, c'est ta demeure. Si tu nous agrées ce matin, fais-nous des biens. Si tu nous agrées ce matin, écoute ta main. Verset 1er.
jusqu'au verset 22. Mais moi ce matin, je vais commencer par le verset premier et m'arrêter probablement au verset même. Je lis, lisons tous ensemble. C'est un très un texte qui peut changer une destinée. Lisons tous ensemble. Dans trois, nous allons. Un, deux, trois. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, mon Seigneur. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et tâche d'être du torrent de Kéritz qui est en sas du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kéritz, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le soir. Et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons inauguré ces grands temps de miracles, de signes et de prodiges. Un moment très fort. Un moment d'impactation. Je me dis de faire comprendre à une personne que inaugurer un miracle n'est pas un slogan, n'est pas un cri de guerre, mais c'est une fête. C'est une vie que tu peux mener. C'est une vie que une vie chrétienne qui n'est pas parsemée par des miracles n'est pas la peine d'être vécue. Vous savez quand la Bible dit, vous l'avez vaincu à cause des paroles de votre témoignage. C'est la même chose. Mais pour être vécu, vous avez transformé les diables et vous Et que tu le tiennes plus tard.
travailles, si tu as sorti de ce que tu as dit, Parce que la vie est une autre. Qui était Azalakina? On ne sait pas. Soyez invité. On a même
Je ne peux pas continuer
Et si tu as un poids d'air,
quelque chose de bon et de grand. Quand il s'agit de ta vie,
Mais il y a une solution pour le feu, c'est la solution à condamnement. Je t'interdis de réfléchir. J'ai t'interdis de prendre conscience que c'est le feu. Quand on était des enfants, que Dieu bénisse le Père des réveils de ce pays. Nous avons étudié avec vous. Nous étions officiels. Nous étions venus de magiciens. Nous étions sortis de Congo. Il y avait un magicien qui s'appelait Lukosh. Il avait son chapeau, il faisait des histoires. Il choisit un enfant comme ça. Ata
rien n'arrivé. Que tu commences une nouvelle vie.
sika. Nasu
nous avons s'opposé dans
et que vous avez offrande na yo, il y a une offrande ordinaire de tomber par là, vous pouvez faire un peu, n'a pas payé au à l'extrémité. Et si vous allez, vous pouvez vous sceller la parole qui vient de sortir, et par le bonheur, vous allez offrande de la papaye, et vous allez sur la soukana, sur la soukana, vous allez offrande la mission. Le Seigneur pour un an de leur fils Raoul Moko. Il a totalisé un an, c'est 8 2021. Que les dieux d'Israël lui donnent une longue vie sur cette terre, qu'ils grandissent en sagesse et intelligence. Le petit, oh, si on peut acclamer le Seigneur pour une année, et puis le superviseur, papa, Rodrigue, va prier pour l'enfant. Est-ce que nous pouvons soulever nos mains tout à la direction pour la route? Le bas, la main, comme voilà, mon petit, il y a un bébé, la biche, Raoul. Roua. Prie pour le petit Roua, dites-moi, oui, aussi, papa, moi, il y a. La sagesse, la stature, il y a un temps où il y a des lots, le peuple de Yom et Salari Colonaye, on y a son côté de Ménaye, à Télémenayon Zambé, et en la nature, Pesaye, Mayenne, Pesaboana, Mipepe, Yon, Soboyo, Yam Pontagabana, Yama épidémie, la zone menacée à mort, en nom suprême de Jésus, le peuple de Yom et Bouya est protégé, la Combona Yesu. Nous continuons à appeler à l'église. La période, il y a un an, tout ça, la vie d'amour, pour que ça qui est par enveloppe, il y a pour soutenir l'œuvre de Dieu.
de pouvoir venir devant. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Et si c'est mon Dieu. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome.
Joseph, Judith et Samuel, des Samuel, un roi, deux rois, un colis, deux colis, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas, Miché, Naou, Abakou, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. C'était les 39 livres de l'Ancien Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres Romains, 1er, 2e Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1er, 2e Thessaloniciens, 1er, 2e Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1er, 2e Pierre, 1er, 2e, 3e Jean, Jude, Apocalypse. C'était les versets du Nouveau Testament. Père Gracela, les Gambimba, enfant de l'Ecodim Juif, je vous remercie. Amen. Pour le troisième poème, j'appelle le frère Papi qui va nous faire un poème sur la justification. Acclamons le Seigneur. Thank you.
dernier poème, nous appelons la sœur Euphrasie qui va nous réciter la généalogie de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. La généalogie de Jésus-Christ tirée du livre de Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Paré et Zara. Paré engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme de Ruth, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Eleazar, Eleazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il a donc conduit 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Je m'appelle Euphrasie, élève de l'Évodie, Gilles. Qui vont nous interpréter quelques chansons.
Gracias.